Bonjour à tous et bienvenue pour ce 58e épisode de ma campagne Skaven dans Mordheim City of the Damned. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va juste passer les jours pour voir le renouvellement de ça, pour se laisser une dernière chance d'avoir des objets. New hired swords are available. Parce que juste après, the word stones must be sent today. On va faire stock has been replenished. La dernière bataille. Donc ici je dois donner 308. Donc, 308, c'est parti. You are becoming famous. Alors je pourrais éventuellement envoyer ici, je suis pas sûr que je pourrais faire ça ensuite d'ailleurs. Ah, peut-être un générique ou quelque chose. Qu'est-ce qu'on essaie de faire? On va en balancer, ouais. Même si à mon avis ça sert pas à grand chose. Donc il faut combien? Il faut 1238. J'aurais pas de toute façon. Donc on va tout envoyer, tout ce qu'on a. Ça fait 7420. Allez. Voilà. Ça c'est fait. Comme quoi, hein, il est difficile d'atteindre les niveaux 3, j'imagine. Je parle même pas du niveau 4, vu ce qu'on gagne, puisque là j'ai tout envoyé. Bon, donc ça c'est bon. Ça c'est fait. Le market il a été refait. Alors, une lance de massacre. C'est maintenant que je retrouve des lames suintantes maintenant. Ah là là. Tiens, je vais l'acheter parce que. Ah mais c'est par paire en plus. Donc. Voilà. C'est tout ce que j'ai. Ok. J'aurais bien aimé avoir des parchemins, des choses comme ça, mais j'ai pas eu. Ah, il y a un truc que j'ai pas fait aussi, c'est donner mes compétences. Eh bien, écoutez, je vais les donner les compétences. Allez, je vais racheter ça avant de partir. On va faire ça. J'en ai bien deux. Bon, de toute façon, on va pas les donner. Alors, si ce qu'on va faire aussi, quand même, c'est donner des enchantements. J'aurais dû le faire avant, d'ailleurs. Ça, on s'en fout. Je sais pas si je vais trouver quelque chose de sympa là-dedans. Si, c'est pas mal ça. Donc là j'ai tous les enchantements. On est d'accord qu'il n'y avait pas de casque, hein. Violet hélas. Donc là c'est pareil. Donc je crois que je vais faire la même chose. C'était quoi? Voilà l'armure. Il n'y avait rien de bien je crois, hein. Non. Donc on va mettre un truc. C'est quoi ça? Bah pourquoi pas. Ici j'ai tout. Ouais, j'aurais dû faire ça avant, je suis désolé. Enfin comme ça vous verrez, remarquez. Parade, on s'en fout. Je suis pas sûr d'avoir un truc intéressant. Test de stupidité. Évidemment, si j'avais un Raog, ça aurait été intéressant.
va faire ça. Ça sert pas à grand chose, mais tant pis. Donc ici on a dit Égide, je crois que c'était quoi. Non, la parade, on s'en fout. Allez, on va mettre du moral. Ça c'est bon. Donc on va mettre Égide. Donc c'est là où je vois qu'effectivement ça manque de bons enchantements. Qu'est-ce que j'ai mis? Allez, on va mettre ça. Toc. Je suis même pas sûr que ça soit pris en compte. Hein. Toc. Ça peut être intéressant ça, parce que ça augmente ses coûts critiques normalement. Ouais. Ça m'étonnerait qu'il tire, mais bon, j'ai de l'argent, pourquoi pas essayer de compléter tout ça. Vous, vous jouez pas. Ah bah ici oui. On va mettre marque de morale. Le reste c'est fait. Et ici. Égide. Ici. On va faire ça. Allez, je crois qu'on a fait le tour. Bon, bah écoutez, c'est le moment, hein. On est prêt, c'est parti. Donc c'est ceci. Donc normalement c'est 3200, je suis à 3006. C'est l'acte 2, scène 4. Un nouvel ennemi s'attaque aux Skaven et leur vole leur pierre magique. Le seigneur assassin propose des récompenses inouïes à qui détruira ses ennemis. Voilà, donc j'ai une... Brave, strong Warband, alive, well. Je vais laisser le texte pour une fois. Filch, happy, happy, fine Warband, unhurt. Many much Skaven, die, die. Non, je vais quand même couper l'enregistrement. Je vous remettrai une fois fini. J'ai besoin de lire ce qu'il y a dedans. Eh bien, on apprend pas mal de choses en lisant ou en écoutant. C'est que on va affronter une Manticore, visiblement. Et un clan Skaven traître, en fait, qui essaie de récupérer la Manticore. Donc il va falloir certainement affronter des Skaven et une Manticore. A new round has started. Alors, ça... Ok, ça commence dehors. Ok, on voit le card des Skaven ennemis. Alors, je pense que c'est la dernière partie, mais on va quand même jouer ça comme si c'était pas la dernière. Donc, protéger Field, ça c'est un habitude. Examinez la baguette de Malpierre dans votre charrier. Trouvez l'antre de la Manticore. Prenez les bombes Skyr dans votre chariot. Trouvez le chariot des pattes noires. Bah, je pense que c'est lui. Hein, parce que le nôtre est là. Trouvez les pierres magiques corrosives. Donc pas mal de choses à faire. Donc je pense qu'on va aller au chariot. Bombe. Et on va prendre... Objective completed. Ok. Donc on va envoyer... Je veux pas me prendre... Oula, les tâches qui sont là, j'aime pas trop, moi. On est bien dans la bonne direction. Ouais. Ok, on va avancer par là. Ouais, le décor, il est bien flippant. Hein. Oh oh. Ok. Et un Skaven noir là-bas. Bah écoutez, on va rester ici. Est-ce que t'as... Alors, je sais pas s'il a, mais on va rester là pour l'instant en esquive. Ah, il y a pas mal de choses qui vont jouer avant nous. Enfin, deux au moins. Les flaques acides. Oh 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 o
Putain, il m'a raté. Eh ben, ça attaque fort. Il a pas été stupide, alors c'est emmerdant. Combien il a d'attaque ce truc? Ok, et eh ben écoutez, on a pris la charge, mais pour l'instant ça va. Alors du coup, alors, le problème c'est que je voudrais au moins... Qu'est-ce que je fais? Non, je ne vais pas prendre le risque. Alors le problème c'est que c'est Filch qui va couvrir tout le problème là. Eh ben ça commence fort. Hein. En plus... Ok. Ok, je pense que tous les scavens nous vont tomber dessus. Donc toi, est-ce que tu auras au moins une pastille pour une esquive si je t'envoie là-bas? Putain, 59 coups critiques. Il m'a stoppé dans mon élan. Je sais même pas où il est. Il est par là. Ouais, ils arrivent tous, c'est ça le problème. Je vais pas avoir que le... Et ils tirent aussi. Hein. Bah, c'est des gars comme moi, hein, donc... Ok, les plus rapides vont arriver jusque là. Qu'est-ce que je fais? Déjà je vais vérifier. Filch il a pris des dégâts. Et toi aussi. Alors je pourrais éventuellement tirer, mais je pense qu'il va falloir que je soigne Filch. Ok, il y a un mec là. On l'a vu hein, dans le creux là-bas. Filch, il en est où? Ah, il faut encore. Hein. Je crois que j'ai pas trop le choix. Alors, je pensais que c'était bien parti, mais pas tant que ça en fait. Alors, on va faire un petit jet de perception. Réussi. Qu'est-ce qu'on a? Il voit rien de spécial. Alors toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu soignes Filch? Toujours pas à fond. Je pense qu'on va faire ça. Alors, ben, on pourrait peut-être soigner les deux en fait. Suis-je bête? Bon, le problème c'est que mes deux gros DPS vont être débuffé. C'est ça qui est emmerdant. Alors j'ai pas forcément l'initiative sur eux, ça veut dire que je vais être surchargé peut-être aussi. Ok, il y a un sorcier là-bas. Prophète gris. Bon, toi. Putain. Mais on peut pas faire plus que ça de toute façon. Allez. On engage. Alors si je pouvais commencer par faire des jets cool, ce serait quand même positif. Hein. Alors toi, qu'est-ce que je peux faire? Bon, écoutez, on va aller là pour l'instant. Voilà, 139, c'est magnifique. 93. Alors, on n'a qu'une parade, mais c'est pas mal quand même. Le problème, c'est que j'hésite à envoyer des gars au contact du Raog sans posture. Donc, on va plutôt essayer de finir ce truc. Surtout que c'est un scaven noir, donc ça se respecte. Et ça c'est bon. J'ai pas de...
là c'est pas mal. Si quelque chose arrive, on protégera un peu nos gars. Ouais, je veux pas rentrer dans ces tâches, moi. Ouais, ça c'est pas bon. Et là, est-ce que je peux venir ici? Bah oui, je peux venir ici. Et ben voilà. Ah oui, mais c'est pas bon ça. Je vais traverser les... T'étais là toi? Alors t'auras au moins une parade. Avec test de peur évidemment. Je prends un gros risque pour lui. Hein. Vous voyez qu'il y a plein de scaven qui arrivent derrière, j'aurais dû regarder la map d'ailleurs. Bon, il a plein d'attaques, c'est un tueur ce truc. Et il va certainement avoir l'initiative en plus. A new round has started. Ah non, c'est Filch qui attaque en premier. Alors qu'est-ce que tu peux faire mon bon Filch? On va faire une petite distraction à droite. Est-ce que je peux voir les debuffs qu'il a, lui? Je sais plus comment on fait. Bon. On va attaquer. Allez, il faut continuer. Je compte sur toi. Ah, il va jouer après, en plus. Hein. Donc, je vais pas pouvoir le tuer, évidemment. Donc on va refaire une petite distraction à droite. J'avoue que je sais plus à quoi ça sert. Mais on va surtout faire une esquive. Il a pas évitement à ce niveau là, c'est quand même malheureux. Vous voyez ce petit salaud là dans le trou là. Ok, une ratée, ça c'est cool. Ça c'est pas raté. Ok, donc ça c'est pas mal. On va y aller, on a besoin... Ah, on rate le test de peur. Mes attaques sont pourries. Allez, ça, ça touche. Allez, on peut le tuer si on le touche. Allez, je le rate. Évitement. Il fait très très mal. Et il vise mon chef, évidemment. Encore un critique. Deuxième critique. Alors, ça va être à lui de jouer. Qu'est-ce que j'ai? Ah, vous voyez, c'est près 10 dans la tronche. Ouais, ils viennent sauver leur Raogre, on va essayer de... Alors c'est peut-être mes Globadiers qui vont tuer le Raogre. Alors toi, t'es dans quel état? Alors tu vas avoir du mal à venir sur le gars qui est là, hein, sur le Raogre. Mais on va peut-être faire ça quand même. C'est ballot. Évitement. J'espère que j'ai pas trop de malus sur mes esquives en ce moment. Il va me charger aussi lui. Non, ça, j'avais prévu une charge. Et ben, c'était une bonne idée. Il m'a raté. Mais plante-toi sur un truc au moins. Je sais pas ce que ça fait, posture légère. Alors, je sais pas pourquoi ça fait ça.
Mais alors du coup on va peut-être pas tirer. Est-ce que je peux avoir Filch aussi? Bon, je vais débuffer mon tank là, mais bon, tant pis. Alors, faut que je regarde mes debuffs. Je vais le faire quand même, mais... Je vais regarder. Alors, Filch, il est au max. Il est au max. Donc toi, t'es pas au max. C'est mon leader qui est pas du tout au max. Alors, qu'est-ce que t'as comme debuff? Des attaques et grosse résistance plus 1 PA, mais je pense qu'il y a autre chose quand même. Bon, on va quand même essayer une chance sur 4. Ouais, c'est raté, pardon. Bon, on va se mettre en évitement pour l'instant. Ah ouais, carrément. Ah bah voilà. Alors, il y a 59 là-bas. 1%. Et c'est celui-là dans ce cas-là. Bon, je crois qu'on va essayer plutôt globadier, globe de soins sur mon chef, si on peut. On va débuffer tout le monde, hein, mais bon. Évitement. Alors, toi... Tu peux venir ici. Est-ce que ce serait pas mal? Ou alors, carrément attaquer lui, hein. Allez. Ça, c'est bon. 33 et là ça va pas suffire. Ouais, du coup c'était peut-être pas le bon choix, mais enfin Filch, je devrais le tuer quand même, faut espérer. Alors toi tu vas passer aussi, et toi tu vas être occupé du tireur là bas parce que là on peut pas de toute façon. Ouais. Toi tu vas arrêter de me saouler, me tirer dessus. Ça c'est dommage, 97, oh là là. Ok, ça c'est bon. Sachant qu'il va certainement chercher. Bon là j'ai merdé. Je voulais passer aussi, j'ai raté mon coup. Bah, tant pis, ça fait bien mal quand même. Allez. Alors, je pense que les scaven, ils vont repop hein, si je les tue aussi. C'est qu'une partie, j'ai aussi un manticore qu'il faut que je trouve. Enfin, il faut que je trouve son repère. Donc, il y a peut-être une caverne ou quelque chose. Test de peur échec. Alors, en même temps, si tu touches, tu tues. Hein. Ah ben voilà. Ça c'est parfait. Alors on va venir. Non je peux pas venir. Je suis bloqué ici, c'est ça. Ah je suis avec en contact avec le gars là, je pense. Alors j'ai quand même peut-être regardé la map là à force. Ok, il y a du monde qui arrive derrière. Alors toi. Est-ce que tu peux passer par là? Mais bien sûr. Comme ça, il pourra pas fuir ce mec-là. Dommage. Mais il y aura test d'isolement, au moins.
A new round has started. Ok. Donc, Phil Chile entier. Donc moi, je pense qu'on va commencer à nettoyer tout ce qu'il y a là. Je sais pas par combien ils peuvent pop. Ok, ça c'est bon. Donc on va essayer. Alors je suis pas sûr que ce soit intéressant d'ailleurs. Hein. Mais bon, on va faire ça. Tu vas venir là. Faire une petite distraction à droite. En attendant, on va faire esquive. Ok, donc lui il va arriver de là-bas, je pense. Il arrive de derrière, ok. Ok, c'est un tireur aussi. Test de peur. Alors, tu vas y aller quand même. Voilà, ça c'est bon. Même si j'ai pas des attaques très haut à cause des tests de peur, ça passe. Alors on va pas se gêner. Évitement. Et non, ça c'est réussi bien sûr. Parade. Bien. Ça c'est super bien. On va jeter sur le sorcier aussi hein. Alors toi t'es pas à fond là, donc tu vas venir ici. Tu restes dans ce coin là. Ça y va des critiques là. Alors que j'ai pas des bons pourcentages en plus en ce moment avec mes tests ratés. On va faire évitement. Donc il faut qu'on soigne le chef, ça c'est sûr. Alors, le problème c'est que ça va être dur. Ouais, ça... Ça marche pas. Alors qu'est-ce que tu peux... Bah lui tu peux le tuer. Et du coup, on va recharger, mais on va se placer pour faire un petit soin au chef, je pense. Est-ce que je peux ne soigner que lui? Ouais. Les deux ont besoin de soins, là? Non, je pense pas. Allez, évitement. Des fois que quelque chose arrive. J'espère que ça peut pas arriver par là. Alors, qui a besoin de soins dans ce truc? Donc, toi non. Toi oui. Bah, pas tant que ça, en fait. Hein. Ouais, pas tant que ça. Donc, on va essayer de tuer ce qu'il y a là. Voilà, on va recharger, on va venir par ici et je pense qu'on va faire un soin aussi de notre leader. Bah pour l'instant ça avance pas mal, hein. Donc je pense qu'il va y avoir plein de renforts qui vont arriver, mais pour l'instant on gère le truc. Allez, évitement. Alors, je me rappelle que à un moment donné, j'ai des abonnés qui se sont demandé pourquoi je jouais pas un Raogre. Et ben, pour moi, deux Globadier par exemple, il n'y a pas photo, c'est bien plus fort qu'un Raogre.
Et je dirais un coureur nocturne plus un scaven noir, c'est beaucoup plus fort qu'un raogre aussi. Bon bah voilà, un mort de plus, donc ça c'est cool. Est-ce que tu peux participer ici? Oui. Donc il va falloir commencer à surveiller l'arrivée d'éventuels renforts, on va le voir dans les messages. Alors toi tes jets sont pourris là. Je sais pas quand est-ce que cette vapeur ça va disparaître, mais ça serait pas mal. Ok, bah écoutez. Est-ce que j'irai pas aux cartes en fait? Je suis tout prêt là. Hein. Ah oui, alors le risque c'est que je me prenne un truc ici. Ouais, voilà. Ah non, je vais garder le cataplasme plutôt. On va y aller. Donc t'es en forme. Donc toi, tu vas prendre ça. Tu vas aller voir ici ce que lui avait. Et moi je crois que tu vas repartir aux cartes aussi toi. Bon en même temps je loot des trucs alors que... Ça sert peut-être pas à grand chose si c'est la dernière partie. Hein. Ok, il y a un tank par ici. Allez, c'est un embuscade. Donc j'ai tout looté ici, donc toi tu vas l'accompagner. Ah, attendez. Tu vas faire ça. Ah, ça c'est optimisé. Il y a des malpierres évidemment qui sont en plein milieu ici, mais ça m'intéresse pas trop. Ça par contre ça peut m'intéresser. Il y a une lumière là-haut bizarre. Oh. Ah non, c'est pas un manticore, c'est un Pégase, ça normalement. Ok, allez, on se barre. Bah, je pense qu'on va quand même faire des petits allers-retours aux cartes. Hein. Toi, t'es bien, tu vas venir avec ton pote. Ok, il arrive. Ça, c'est ballot. 36. Ok, c'est bien le kart ici. A new round has started. Ok, les renforts ennemis sont arrivés, donc on est déjà dans le passage où ça arrive. Donc Filch, t'es impeccable. Alors je t'emmènerai bien aux cartes, moi. Ah, y a que dalle, hein. Objective completed. New objectives added. Ah, cacher la bombe. Objective completed. Ouais bah c'est cool. Alors par contre je suis en train de me dire ouais, qu'est-ce que j'en ai à faire en fait. Non, laisse tomber. On va pas s'alourdir et on va revenir par là. Et on va même faire une petite charge ici. Alors j'aurai pas de posture, mais on va essayer de se descendre ce mec. Ah!
toujours en échec. Bon, bah, tu vas aller là-bas. Et tu vas aussi t'occuper de ce type. Putain, merde! Évidemment, je suis toujours sous test de peur, donc ça va pas du tout. Donc, bah, esquive. Donc, mon leader, est-ce qu'il peut venir se battre? Alors, il y a des trucs. 74. Non, c'est encore du scaven. Et ça arrive. Ah, ils arrivent par là, ok. Donc, ils arrivent très très proches, en fait. Il va falloir que je maintienne un cordon ici. Putain, ça va être chiant. C'est-à-dire que pendant que je cherche le manticore, va falloir que je... Va falloir que je défende ici, en fait. Donc toi, t'es opérationnel. Donc ce que je veux, c'est que t'ailles me terminer le mec qui est là. Allez, tu dois pouvoir le faire. Ah, c'est pas possible. J'ai des jets pourris, évidemment. Bah, il est toujours vivant. Donc il y en a peut-être plusieurs qui vont arriver par ces portes là. Si je viens par là, est-ce que... On va peut-être faire un petit globe sur lui en fait. Ah, il y a le 50 qui va jouer, c'est qui le 50? Je sais pas du tout. Ah, est-ce que t'es soigné ou pas? Ah bah c'est le petit Rubin Shanks. Donc ce qu'on va faire, c'est se mettre en Overwatch. Bon, tant pis, c'est pas beaucoup les résultats, les pourcentages. Mais ça marche quand même. Alors une chance sur 3. Non mais c'est du héros ça. Alors peut-être qu'il faut que je mette du globe de poison quelque part. Genre là. Vous voyez. Et on va faire fin de tour. D'où il va sortir lui? Eh ben ça sort de là, ok, toutes les portes ici j'imagine maintenant. Ok. Il faut aussi que je regarde les objectifs parce que je suis un peu paumé là. Donc, toi t'es opérationnel, tu vas venir ici. Toi tu vas aller aider. Ouais, j'ai gardé le cataplasme en fait. C'est ça l'idée. Ouais, vous voyez, ça pourrait arriver de là aussi, je pense. Hein. Toi, je vais garder par ici. Toi, t'allais aux cartes. Pas l'atteindre tout de suite. Et je crois que j'en avais un autre qui allait aussi. Donc les tanks qui vont revenir du temps du kart, ils vont s'occuper effectivement de contrôler les renforts. Alors je sais pas s'ils arriveront d'ailleurs, mais on a vu d'où ils pouvaient arriver en tout cas. Donc dès que le tour est fini, faut que je fasse le point avec Filch de ce que on peut faire. Et ce qu'on doit faire dans les quêtes. Ouais, parce que là c'est du champion, hein, c'est pas du... Étoile d'acier.
Mais avec le support de mes globadiers, ça devrait tenir. Mais d'un autre côté, mes globadiers seraient sûrement utiles contre le Manticore. Enfin, on va voir. Non, je vais garder le cataplasme. Allez, t'as un point, tu peux repartir là-bas. Peut-être qu'ils vont arriver aussi des bâtiments qui sont là, hein, donc... D'un autre côté, je pense que le... A new round has started. Ah ouais, ça continue à arriver, hein. Bon, Fitch, trouver l'antre de la Manticore, trouver les pierres magiques corrosives. Alors, par contre, j'ai un truc que je me demande. Baguette de Malpierre, ça sert à quoi? Ah, je peux pas le mettre sur moi. Je pense que ça peut peut-être servir à passer dans les trucs. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais changer, en fait. Ah bah, j'avais oublié qu'il y avait un mec ici. Donc on va le tuer. Voilà, donc ça, c'est bon. Il y avait bien un coffre quelque part, là, non? Là-bas. Je vais mettre la baguette dedans, en fait, parce que... Il faut que je récupère quoi, on a dit? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Putain, j'ai pas la capacité. Ah, ou alors c'est mon... Non. Je vais faire autrement. Il faut que je trouve mon... Il est où mon scavane noir? Il est là. Je pense que je comprends ce que ça veut dire, en fait. Je pense qu'il faut ramasser les trucs. Alors, pourquoi je l'ai pas, la baguette, là? Ah, il faut plus de points. Merde. Bon, écoutez, on va niquer celui-là. Pardon, on va détruire celui-là. Je suis un peu énervé ce soir, hein. Je suis un peu mal poli. Désolé. Voilà, ça c'est fait. On va faire ça. T'es toujours en échec, toi. On va faire ça. Si quelqu'un passe la porte là, je vais pouvoir le choper vite. Je pense que... Eh ben voilà. Donc ça c'est un tank. Ok, je crois que je vais mettre un tank devant chacune de ces portes, en fait. Je vais pas avoir tellement de choix. Donc toi, t'es opérationnel. Bah, tu vas aller aider ton pote habituel. Ouais, ok. Je pense qu'effectivement, la baguette, elle va me permettre... de rendre immunisé quelqu'un à l'acide. Et je pense que les pierres qu'on doit récupérer là, c'est celles qui sont dans les bains, en fait. C'est pas ça que je voulais, c'était recharger. Donc celui qui a le plus de capacité d'emport. Qui a besoin de PV? 312, non. Donc éventuellement toi. Okay.
Allez, fin de tour. Ouais, alors le problème c'est que si ça pop, je sais pas comment je vais contrôler tout ça. Hein. Mais je pense que c'est ça, c'est que les malpierres que j'ai vues là-bas, ça doit être ça les trucs à récupérer. Enfin, on va voir ça. Un peu trop exposé. Allez, donc toi, bah toi tu peux aller te battre, donc tu vas te mettre ici. Là tu vas looter ce mec. C'est pas ça que je veux, c'est un évitement. Donc toi t'as combien? Et non, t'as que 6, il faut 7. Bon. Enfin, je vais quand même... Non, je vais aller au coffre, je vais poser le truc que j'ai vu. Cataplasme. Ouais, je pense que c'est ça qu'il faut récupérer. Donc je vais venir ici pour me rapprocher. Alors toi, tu vides ton sac. Moi bon, je pense que ça sert à rien hein, de faire ça, puisque si c'est la dernière partie. Les loots servent à rien, mais bon. Donc toi, tu vas assurer la défense par là. Ouais, toi, t'avais un cataplasme. Donc c'est parti, tu vas aussi là-bas. Ouais, ça pourrait très bien arriver de ces portes, je pense. Hein. T'es bien aussi. Alors, tu vas venir ici. Tu garderas cette porte. Parade. Je pense qu'effectivement ça doit popper de là, peut-être pas exclusivement, mais... A new round has started. Donc Filch, j'ai besoin de taille ici. Ouais, c'est deux bleus, ok. Ok, il a un buff. Alors, on va venir par là. Pour essayer de l'assister. Ah oui, il y a un coffre là. Là, il y en a aussi. Ok, je pense que c'est ça les pierres. On va le voir rapidement. Putain, toujours pas. Enfin, on va quand même le tuer celui-là. Ramasser du loot bleu. Donc, je pense qu'on va se rapprocher un peu de là-bas. Peut-être que la manticore elle va apparaître aussi. Alors, oui, je peux pas passer là sans passer par le. Donc ça me plaît pas du tout. Ici je peux pas. Alors là il y a un coffre. Allez, on va se mettre en esquive ici. Parce qu'il faut que je trouve la grotte de la manticore. Toi, t'es impeccable.
Tu vas venir avec ton pote, comme d'hab. C'est quoi ce truc? Ça a l'air bizarre ce machin. Je rentre ou je rentre pas? New objectives added. Objective completed. Ok, l'arme de la Manticore, c'est ici. Récupérer le pendentif de Malpierre. Alors ce serait ça. Ok. New objectives added. Objective completed. Oh oh. Ouais, j'étais pas prêt là. Oh purée. 9% de charge. Ouais, j'étais pas prêt. Hein. Test de terreur, ça commence. Mon dieu. Elle m'a raté. Elle touche à 74. Pourquoi je suis à 19%? J'ai une blessure ouverte. Poussière tombante. Faut pas que je sois dans ce truc, je pense. Qu'est-ce que j'ai qui pourrait m'aider? J'ai pas grand-chose. Oh putain. 2250 PV. Ok. Eh ben, ça merde. Ça craint. Ouais, j'aurais pas dû déclencher ça tout de suite, peut-être, hein. Et j'ai qu'une esquive. Bon. Donc toi tu recharges. Et tu vas aller aider sur la Manticore. Comme tout le monde. Enfin sauf les tanks qui vont rester devant les portes. Alors j'ai que 56 pour tirer. Au moins ça touche. Ça c'est une bonne nouvelle. C'est pas immunisé au tir. 33. Et ben on n'est pas rendu les enfants, je vous le dis. Alors est-ce qu'on peut... Attendez, est-ce qu'il a besoin de PV? Non, il n'a pas besoin de PV, donc pour l'instant... Ben, on n'a rien à faire de spécial. Est-ce que toi, tu as besoin de PV? Non plus. Et ben écoutez, on va faire fin de tour, alors du coup... Toi, tu vas aussi. Ah là là, putain, je pense que j'ai pas fait ce qu'il fallait là. Putain, ça va être très très long. Fin de tour. Bon, faut que je laisse du monde. À combien je peux me taper 2250 PV? Ah non, me dis pas que vous allez m'emmerder, vous. Ah, c'est un tireur, lui. Il est passé. Donc, je vais le charger. Ça arrive encore. Ouais, j'imagine. Ok. Donc, toi, tu vas essayer de choper ce mec-là. Non, c'est pas ça que je voulais. Ah là là. Toi, on a dit tu vas aller chercher les machins. Donc, on va faire un... New objectives added. Objectives updated. Objectives updated. Donc on va tourner dans ce sens-là. C'est bien ça, hein? Ouais, il m'en faut 7. Alors, j'espère que je vais pas me faire choper par objectives 4. Updated. Objectives updated. J'aurais peut-être dû regarder combien de temps ça durait ce buff d'ailleurs. Qui m'empêche d'être sensible. Et non, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Donc on va faire ça. Putain,
Ça va être chaud quand même. Hein. Je sais pas comment je vais gérer tout ça en même temps avec tous les renforts qui arrivent. Alors, toi, est-ce que tu peux aller choper ce mec-là? Je pense que oui. Voilà. Ouais, en plus, ça c'est magnifique. Ouh, comment t'as enchaîné là? Ça, c'est du bon tank. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Alors, on les a pas tués là. C'est ça aussi le truc, hein. Si on les tue pas, ils mettent pas de renfort normalement. Enfin, je pense. J'espère. Donc, toi, eh ben, tu vas venir par là. Je pense qu'Atson va tous se rapatrier par là-bas. Ouais, j'ai pas envie de passer dans ça, moi. Mais ça, par contre, je veux bien. Allez, on va se rapprocher de la Manticore en tuant ces Skaven. Je pense que c'est ça qu'on va essayer de faire. Alors, attention, crachat d'acide. Donc il a visé mon globadier. Putain, 74, il m'a raté, donc j'ai des esquives. Et ben là, c'est raté pour l'esquive. J'ai plus d'esquive ou quoi? Aïe, 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 aïe. A new round has started.